अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टददिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्। Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Mahashivratri. Mahashivratri, nous célébrons dans le mois de Falgun, Krishna, Bidya Marino, 14e jour. Et nous appelons Mahashivratri parce que c'est un grand jour pour Bhagwan Shiv, c'est une grande nuit pour Bhagwan Shiv. Tout le monde passe la nuit aujourd'hui pour Bhagwan Shiv. Et nous appelons ça Char Prahar Ki Puja. Mais en quatre parties, nous faisons Bhagwan Shiv sur Abhishek. Premier Abhishek, il commence dans le soleil couché, vers le 6h. Deuxième Prahar, il est 9h à soir. Troisième, il est minuit. Et quatrième, il est lendemain matin, 3h du matin. Et nous faisons Bhagwan Shiv du lait, dehi, ghee, mauteg, du miel, sucre et panchamrit, et aussi plusieurs bonnes les autres éléments qui nous fait Bhagwan Shiv. Nous avons beaucoup la foi, bhakti dans nous pendant ça, la nuit de Mahashivratri. Il commence à partir le matin, nous avons fait puja dans nous la maison en premier, Bhagwan Shiv so arti, Bhagwan Shiv so jap, mais déjà nous sentons ce nom et nous avons toujours pour nos bénédictions avec nos grands monde. Nous aussi nous avons fait dans nous mandir, nous avons fait darshan, darshan, mais déjà nous avons fait la prière le matin, nous pour bénédiction Bhagwan Shiv. Après nous reposons nous bien. Les là nous allons dans nos mandir nous faire nous la nuit nous char prahar ki puja. Si nous faisons ça bien avec beaucoup bhakti dévotion avec la foi, définitivement Bhagwan Shiv lui donne nous son ashirvad. Et Mahashivratri, c'est quand nous célébrons Mahashivratri, c'est nous besoin prier pour tout bandimoun. Nous besoin pas ne pense pour nous, nous besoin pense bandimoun qui pas est capable faire sa carême là pour n'importe qui raison, ou soit c'est un dimoun dans difficulté dans problème, nous besoin toujours pense pour nos prochains et nous demande Bhagwan Shiv qui a même bénédiction pour nous tous. Jai Shiva Om. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.